Bonjour Claudie Villeneuve. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, ben merci beaucoup de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. On est content d'être là aussi. Alors, ben aujourd'hui, on va découvrir toi comme, comme personne, puis on va aussi découvrir ton art, en fait, tout ce que tu fais. Puis j'aimerais ça qu'en quelques mots, là, tu me résumes un peu c'est quoi ton art? Qu'est-ce que tu fais, Claudie? Mais l'art fait vraiment partie de moi. Moi, je suis vraiment un créateur dans l'âme. Donc, je suis sur ma table à cuisine, que j'attends l'autobus avec ma fille. Donc, si j'ai un médium disponible, ben, c'est sûr que je vais exprimer. Comme souvent, là, on fait des dessins dans le sable ou avec les roches quand je suis dehors. Si j'ai une chandelle qui brûle, ben, c'est sûr que je vais prendre la cire et je vais faire quelque chose avec la cire. J'ai toujours, même quand je suis en train de faire une création, elle est toujours dans ma tête et il y a toujours une idée qui avance. Je suis toujours en ouverture. Okay. Donc, mes sens sont ouverts tout le temps. Toujours à l'affût d'une idée, d'une inspiration qui pourrait me servir pour mon art. Je manque rarement d'inspiration. ça m'arrive, c'est vraiment rare que ça m'arrive là, d'arriver face à une toile blanche que je ne sais pas quoi faire. Je sais toujours quoi faire. Okay. Je travaille beaucoup par émergence aussi. Donc, je me laisse inspirer comme je fais. Parfois, je vais travailler du bois. Je vais me laisser inspirer par le dessin qu'il y a dans le bois. Donc, OK, oui, c'est ça le... L'émergence, c'est vraiment comme quand tu regardes les nuages, puis que tu essaies de trouver des formes dans les nuages. Donc, moi, j'ai une petite maladie qui s'appelle la bonhomie. Je veux des bonhommes partout. Fait que c'est ça, c'est par émergence. Donc, c'est le cerveau, c'est la première réaction qu'il y a quand tu vois une œuvre abstraite, d'essayer de trouver. Une forme qui reconnaît. Ah, donc, moi, c'est très... Même ma fille est comme ça, elle mange sa toast, puis « Ah, regarde, maman, ça fait un cheval, regarde, maman! » Ah, wow! Ah oui, le totem! Je les oubliais. Claudie, il y a une pièce, une pièce là, de ton art, si on veut, qui a une signification quand même importante et représentative. Et puis là, je vais la prendre. On s'est quand même préparé. Puis là, j'aimerais ça que tu nous en parles, parce que ça a une fonction, mais c'est un grand symbole aussi pour toi. Vas-y. Donc, c'est un totem de rouleau. Donc, c'est fait vraiment avec... Des rouleaux de papier de toilette. Des rouleaux hygiéniques, oui. De papier hygiénique. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai échappé mon rouleau dans mon bain. Mon rouleau de papier de toilette dans mon bain. Et là, je l'ai pris, je l'ai sorti, je l'ai laissé sur le comptoir. Je suis retournée quelques jours après et là, il était sec. OK. Il était dur, mais il y avait un visage dedans. Ah là, t'as vu le bonhomme dans le dans j'ai l'objet. J'ai vu le bonhomme dans l'objet et là, il m'a parlé. Puis là, il me disait, « Hey, tu mets des arbres dans nos toilettes. » Fait que là, ce qui m'a... tout de suite après, je me suis pris un autre rouleau. Donc, et là, je l'ai fait parler. Oui. Je l'ai fait parler et ça m'a donné celui-là. Donc, il s'appelle Ferdinand Auguste Mobius. Oh, il y a un nom. Il y a un nom particulier, puis c'était le premier. OK. Donc, c'est des petites sculptures écologiques que je fais quand je fais des expositions. Donc, wow. Ils ont toutes sortes de titres. Il y en a un qui s'appelle « Des arbres dans nos toilettes ». Il y en a un autre qui s'appelle « Les forêts nous parlent ». Wow. Donc, il y en a un qui s'appelle aussi « Rayuré du récu ». C'est le rapport avec cette avec réutilisation, puis le papier, c'est ça, donc, pas gaspillé. C'est de sensibiliser les gens sur l'achat des papiers jetables. Oui. Donc, d'acheter des papiers jetables qui sont faits à partir de fibres recyclées. Mm-hmm. Ça sauve l'énergie, ça sauve de l'eau, puis ça sauve des arbres aussi. Absolument. Donc, Ferdinand Auguste Mobius est un mathématicien allemand. OK. Donc, il est né en 1942. Et c'est l'inventeur du ruban de Mobius qui est les trois flèches qu'on retrouve le symbole du recyclage. Donc, en triangle, les trois flèches qui se... dans le fond, qui créent l'infini, un peu, si c'est on ça. Veut, de la réutilisation du recyclage. Ah oh, ouais. C'est ça. Inspiré donc, c'est et inspirant. Inspiré par ce mathématicien. C'est la 14, hein? C'est vraiment raide. Ah, les trucs de la pro. Tu les habilles, c'est ça, hein? C'est ça, en premier. Il
faut, tu sais, il faut pas qu'il y ait de trou d'air parce que sinon ça écarte. Ouais, puis, ça a l'air de bien se travailler dans les. Ouais, hein? Tu t'essayais? Oui! Alors là, je me mets littéralement les doigts à la pâte, les mains à la pâte. OK. J'assens là la. La broche, hein? Bon, OK, un bras dodu. Il est bien fait, par exemple. J'ai fait des tirs. T'as bien réussi. Merci, Claudie! Pour vous montrer un peu comment il s'articule. Donc, quand je dis articuler, c'est vraiment que le masque va bouger avec le mouvement de la mâchoire. OK. Joli. Ah, ah, ah. Wow. Donc, lorsque je parle, donc, tous ceux qui sont articulés fonctionnent de cette façon-là. Wow! Donc, mais ça, je veux dire, c'est... faire des masques comme ça, c'est spécifique. Je veux dire, c'est un bel objet de collection, tout ça. Mais les gens qui les découvrent, ça doit les impressionner. Hein, oui. Parce que c'est original, oui, vraiment. Vraiment, parce que, bon, moi, j'ai cherché un peu les masques articulés que j'ai trouvés. Oui. C'était des masques en bois. OK. Qui ont une articulation pour la bouche, mais qu'on ne peut pas vraiment porter, ou qui ont un système pour ouvrir la bouche, là, un peu comme les marionnettes. Oui, c'est quand toi, en réfléchissant ça, ben t'arrives... J'ai commencé à faire un demi-masque, puis là, on m'a dit, ce serait intéressant, je pourrais faire le bas. Puis là, je verrai après comment je vais pouvoir articuler les deux morceaux. C'est fantastique, ça. Puis il n'y a que du papier à l'intérieur. Mais c'est ça, parce que c'est quand même impressionnant. Ça a beaucoup l'apparence du plâtre, ce que tu fais. Puis c'est super solide. C'est quand même les gens doivent être très surpris. Rigide. Donc, parce que c'est du bois, hein. C'est fait avec. C'est de la fibre de bois, finalement. Le papier. Mm. Avec la colle, ça vient faire des surfaces qui sont vraiment dures. Puis la façon dont je le travaille aussi, comme c'est plein, il n'y a pas de vide à l'intérieur, donc c'est beaucoup plus solide. Oui. C'est plus solide que la céramique, là. Oui. C'est parfois, c'est sûr qu'il y a des petits doigts, parfois, qui sont les échappes. Bon, là, c'est. Mais un petit peu de colle blanche, puis ça, ça, le tour est joué. Ça serait pas très bien. Ils sont garantis à vie. C'est bon, c'est bon. J'ai aussi en papier que je fais. Oui. Donc, c'est des colliers qui sont faits en papier à partir de vraies fleurs. Donc, l'été, je me promène, comme j'aime bien identifier toutes les plantes qui sont autour de chez nous. Oui! Différentes fleurs, donc c'est vraiment la vraie fleur qui est apposée sur le papier, qui est ensuite enduit de vernis, donc pour les protéger. Sont assez magnifiques, puis tu réussis à conserver la couleur comme ça. Oui, il y a certaines fleurs qui conservent leur couleur plus facilement, comme ces fleurs-là qui étaient bleues à l'origine. Avec le séchage, ben, ils ont changé de teinte. Celles-là, elles ont foncé. Ah ouais? Donc, c'est des fleurs d'épilobe qui est reconnue pour garder ses teintes une fois sèches. OK. Donc, on va montrer ce que ça donne quand on le porte pour montrer comment c'est beau. Je propose ça à notre cher public. C'est peut-être pas. Oups! La liberté. Il y a des choses partout. Ça fait. Alors, on le porte comme ça, là, comme un beau pendentif. C'est très joli. C'est une œuvre qui a été faite pour la rencontre des arts de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un événement où, à chaque année, à peu près 72 artistes peintres et sculpteurs qui exposent. Et à chaque année, donc, on a un projet qui s'appelle Symbiose. Mm-hmm. Donc, on a un thème. Il faut produire une sculpture sur ce thème-là, soit en peinture ou en sculpture. Et puis, cette année, c'était les 4 saisons de Vivaldi. Mm-hmm. J'ai essayé, donc, on voit dans la sculpture les 4 saisons. Mm-hmm. J'ai la cape de neige, donc c'est l'hiver ici, l'automne on perd les feuilles, donc l'été, les fleurs, le soleil, la chaleur, la neige aussi qui retourne en eau. C'est ça le vent. Donc ici, qui redevient de l'eau pour le printemps qui est ici. Il n'y en a pas beaucoup de printemps parce que le printemps, c'est très court maintenant, le printemps. Oui. Donc, fait que c'est ça, puis en même temps, on voit le jour.
Oui. Et la nuit, parce que le jour et la nuit, ça rythme les saisons. Bon, c'est parce qu'on a un jour et une nuit qu'on, oui, change, qu'on finit par changer de saison. Ah, c'est incroyable. C'est comme... Moi, je vois l'œuvre complète de Claudie là-dedans. Là, c'est vraiment magnifique. Je crois que tu as gardé des croquis. Si... Oui, tu sais, on parlait de croquis, puis de... Juste pour voir, là, puis j'aimerais donc, ça qu'ils sont spéciaux, les croquis. Il y a deux étapes. C'est que je vais te laisser en parler pendant qu'on vous... Donc, prendre. La première étape, qui est, elle, c'est vraiment sur le coup de l'intuition. Là. Je me suis mis la musique et je me suis laissée aller. Donc, c'est très spontané. C'est le geste transformateur, là. Et quand on retourne de l'autre côté... La deuxième. Donc, on voit le croquis, beaucoup moins de lignes. Donc, c'est plus le côté réfléchi. Pour présenter le modèle... final en trois dimensions, finalement, c'est ça. Il y a une structure à bâtir. Puis, c'est ça. Puis les idées ne sont pas toutes définies du début, comme si c'était sûr que j'avais comme une cape de neige. Là. Mais comment allait être la cape, comment ça allait retourner en eau. Là. Il n'y avait rien de défini là, dans vraiment... Ça s'est défini au fur et à mesure que la sculpture avançait. Oui. C'était vraiment pour aller chercher... le croquis, c'est vraiment pour aller chercher la position du début. Pour placer la broche, parce qu'elle est faite de broches, donc plusieurs enchevêtrements de broches, il n'y a pas juste une épaisseur. Ah oui, j'ai même des morceaux de bois, fantastique. Donc c'est des défis. Là. Oui, hein, beaucoup d'heures de travail. Oui, oui. Mmh. Au-dessus de 200 heures de travail facilement. Là. Mmh. Alors pour les gens qui vont admirer ton travail, tout ça, bon, on peut se les procurer, on disait tout à l'heure, en téléphonant. En téléphonant, il y a la boutique du musée Sir William Price et à la galerie L'Art à l'affiche. Et cet automne au Salon des métiers d'art. Parfait. Puis si, comme moi, qui aime beaucoup ça, je crois que tu as un produit qui peut permettre d'offrir un cadeau de chez Claudie. Ben, comme c'est difficile des fois de choisir une œuvre pour quelqu'un, donc je fais des petits certificats cadeaux. Donc, qui permet là, de mettre un montant, puis comme la personne peut venir après choisir la sculpture, puis si elle veut plus gros, la sculpture ou la peinture. Mm. Puis si elle veut plus gros, ben, on peut débourser le montant. Ouais. Là, c'est parfait. Donc, ça m'arrive, là, à l'occasion d'en faire. Là, j'ai même des commandes, là, il y en a qui viennent. Puis bon, moi, j'aimerais ça avoir deux personnages qui dansent. Ah, c'est quand même assez vague, là, pas trop précis. Donc, souvent, je peux fonctionner par contrat aussi. Parfait. Super. Mais merci beaucoup, Claudie. Mais ça me fait plaisir. Très merci inspirant de voir tout ça ici, ce que tu fais. Super. Merci. Merci. Nœuds Erguer, fier partenaire de la Route des artisans.